satisfait du... Oui, je suis satisfait par rapport aux 3 matchs qu'on a fait. On est vraiment satisfait parce que souvent c'est difficile de ne pas voir ces matchs-là. Dieu faisant bien les choses, je pense que les responsables ont tout fait pour qu'on puisse, avoir ces 3 matchs. Ça nous a vraiment fait du bien et ça m'a permis réellement de me situer par rapport au niveau individuel et au collectif des joueurs. Et c'est très très important. Moi, dans l'ensemble, tu peux penser qu'un joueur est capable de faire quelque chose, tu te rends compte par sur un match comme ça, parce que c'est un autre niveau, franchement, et ce n'est pas le championnat national, c'est un autre niveau, et tu vas voir que le joueur réellement n'est pas capable de répondre présent. Même collectivement, hein, je pense que si vous prenez le premier match, les 10 premières minutes en Mauritanie, le match qu'on a perdu, on a eu énormément de difficultés. Mais après, je pense que nous, on a, par rapport au contenu, c'est nous qui avons diminué sur les 2 matchs. Je pense que de façon globale, on a vraiment pratiquement dominé le match qu'on a fait. Mais le fait qu'on n'ait pas rentré dans le match très tôt, ça nous a coûté très cher parce qu'on prend un but à la 4e minute. Donc ça, c'est les leçons à tirer. Et ça, c'est les leçons à tirer. Même sur le match d'aujourd'hui, il y a eu une ou deux erreurs défensives qui ne doivent pas arriver. Donc ça, c'est les choses réellement aujourd'hui que les joueurs vont faire. Peut-être qu'ils ne vont pas faire pendant le match officiel. Parce que ça, c'est les choses qui passe pas inaperçu, que ce soit nous ou les supporters qui sont là pour regarder le match, même vous les journalistes, ça passe pas inaperçu. Donc on est obligé de communiquer avec les joueurs et les relire, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu dois pas faire ça. Ainsi de suite, c'est ça. Mettre une équipe en place, c'est ça. Une équipe de football pendant la préparation a besoin de faire des matchs, vraiment des matchs amicaux. Non, c'est pas inquiétant parce que j'ai dit, ouais, ça peut arriver qu'on marque un but et on gagne. Voilà, moi je suis pour les gens qui me connaissent, depuis que j'ai commencé ce métier, avec le sens Salif Keita, je pense que de tout temps, j'ai fait sortir les meilleurs buteurs du championnat, ça je vous dis. Hein. J'aime beaucoup ce... J'ai délisé à la mi-temps, mais je te dis, le temps était tellement court, 2 mois de préparation, qu'il y a certaines... Je ne dirais pas qu'on a négligé, mais on l'a fait souvent, mais ça prend du temps, travailler devant le but, réellement, ce n'est pas des choses qui arrivent tout de suite. Et tu peux avoir un joueur qui est capable d'être dans la finition. Mais c'est le collectif, réellement, qui doit permettre à l'avancante de finir les actions. Donc, c'est à prendre du temps. Et ça peut tout de suite que le joueur puisse marcher par rapport à l'équipe. Je ne parlerai pas de l'avancante seulement, mais toute l'équipe. Parce que pour moi, l'avancante seule ne doit pas marquer. C'est tout le monde qui doit être capable de marquer. On a eu des situations de but en première mi-temps où Soldat a 2 balles. Après les autres aussi, Diallo, la première occasion que nous avons eue, c'est Diallo, il n'est pas avançant, c'est un excentré. Et c'est le meilleur joueur du LCBA. Et je pense que l'un des meilleurs joueurs du championnat national. Donc c'est des choses qui peuvent arriver tout de suite. Hein. Et nous espérons que le jour du match contre la Sierra Leone, qu'on soit capable de marquer, que ce soit 1-0 ou 2-0. Ouais. Je suis très satisfait, mon ami. Je suis satisfait parce qu'il fallait réellement que je voie certains joueurs par rapport à l'équipe Chan, par rapport à ses niveaux. Et franchement, moi, je suis satisfait. Et c'est vrai, je ne dirais pas que je suis juste déçu par rapport à 1 à 2 joueurs. Pas la déception. C'est des joueurs qui ont prouvé pendant le championnat que réellement, ils sont bons dans leur club respectif. Mais c'est différent de ce que tu vas faire en équipe nationale parce que franchement, c'est un autre niveau. Donc aujourd'hui, pour certains joueurs, ça va prendre du temps. Réellement, pour que franchement, il ait le niveau d'un joueur comme Demba Diallo ou Sekou Gassama, je peux citer 2 joueurs. Et voilà, ça va prendre du temps et nous, on n'a pas le temps. C'est ça le problème. J'ai pas le temps. Maintenant, nous espérons qu'on va trouver la meilleure solution. Lors du match contre la Sierra Leone, je réfléchis tout le temps et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai toujours un plan B, quoi.